station fréquence. Alors, on est, je sais même plus moi. Vendredi 18 mars 2016, et il est 21h. Et c'est reparti pour le QSO national de Canal 27. Alors, pour les stations qui vont regarder la vidéo, ce QSO n'est pas le QSO d'une région, n'est pas le QSO international non plus, car en parallèle, il y a aussi celui-ci qui existe maintenant tous les mercredis soirs sur le canal 16, fréquence 27-155. Nous, c'est juste le QSO national du canal 27 pour promouvoir, les contacts locaux. Voilà, alors une petite vidéo comme à chaque fois. Alors j'ai entendu derrière Daniel Senteur 14 Oscar Delta Romeo 064. Eric 14 Victor Eco 27. Les bonnes surprises 51 à vous. Il m'a seulement entendu une autre station aussi. Alors Daniel, toi qui t'égosilles depuis tout à l'heure, Hachi en avant. Daniel. Attention Daniel. Enregistrez break. Ok, les 73 Daniel. Bon, alors de mon côté, j'ai un QRM de 3. Toi, tu m'arrives à 0. La radio de QRM, je dirais radio 5. Toi, c'est radio 3. je te devine à travers, je t'entends parler, je reconnais ta voix. Mais dans toute ta bouillie, j'ai rien compris, quoi. Ce soir, je vais être très calme, toi. Là. Oh putain, la semaine a été dure, j'ai la tête dans le cul, j'ai mon lit qui me réclame, se cogner 8 kilos de, en plus pendant 10 heures de temps, comme ça tous les jours, ça te calme vite. Y a pas de souci, on va assurer le coup quand même. Oui, j'entends une autre station en disant que Daniel était parti à la plage. Hachi, trois coups, en avant la station. Bon, ben en arrière alors. Ok, retour Eric. Ok. Attention, hein, quand tu dis j'ai la tête dans le cul, parce que tu dis ça peut être mal interprété. Je plaisante, voilà. Et
Daniel, je ne sais pas si bon temps, si je retourne le micro. Il m'a semblé comprendre que tu es sur la ML180 et que tu me fais un retour de micro. Là, c'est vraiment du décortiquage. Hein. Alors, les stations qui vont écouter la vidéo, je peux te dire que ça va être du feu clos là pour arriver. Là, ils vont s'éclater d'arriver à te décortiquer là-dedans. Quoi. Bon, Rémi, j'espère que tu vas bien, que tout le monde va bien au cuir, hein, voilà. Je sais pas s'il y a une autre station derrière, donc on va laisser un petit blanc et puis on va ouvrir nos grandes oreilles. J'entends rien non plus là, de mon côté là, pour le moment. Hein. On enchaîne. Hachi. Voilà, c'est, j'ai trouvé. Alors, attends deux secondes. Voilà. C'est parce que voilà, je vous les montre en même temps sur la vidéo. Tous les mercredis soirs. Sur le canal 16, fréquence 27, 155, dès 21h. Grand QSO, ce coup-ci international, suivant, voilà, merde que je cadre bien, suivant la propague, bien entendu, est lancé. Et ce QSO est à l'initiative de la Suisse. Voilà, alors j'ai pu apercevoir qu'ils avaient quand même fait quelques départements français, ce qui est déjà pas mal vu la propague en ce moment. Aujourd'hui, j'ai vu quelques messages disant que la propague était commençait à revenir. C'est ça, Eric? C'est ce que j'ai eu le temps de voir là tout à l'heure, là, parce que le temps de rentrer au QR1, il était bien 18h30. Et voilà, le temps de vite balancer l'annonce pour ce soir et tout, ça, voilà, j'ai regardé vite fait, ouais, c'est à peu près ce que j'ai vu quand même. Mais ça m'étonnerait pas trop, puisque là, pareil, en même temps, là, j'ai allumé la station, histoire de faire chauffer un petit peu. Et c'était de la propagande là par contre là qu'il y avait ici. Hein. Je croyais que c'était des stations qui étaient dans le lointain là en QSO, en BLU, puis non, quand j'ai basculé, ça parlait espagnol un peu tout ça. Donc il y avait un peu de propagande effectivement quoi. Enregistre le bip. Ah. Ok, on a le break.
Ah, j'ai entendu le bip, c'est pas mal décalé en fréquence, en plus j'ai pas eu le temps d'aller à la pêche. Je sais pas où c'est qu'il est en fréquence, mais là j'ai du mal. Ok, voilà, j'ai changé, voilà, j'ai déplacé les virgules au niveau du poste, c'est bon, je vais pouvoir le récupérer plus rapidement. Hein. Ok, je reviens. Donc c'est 14, Gatsby, 4, 3, 8, l'opérateur Eric, le plus direct que pas ça, ok. Ok, Eric, alors, Eric, que je marque ça, 14, Yankee India. Et ben voilà, j'ai déjà zappé les numéros. 14 Yankee India, je sais plus les numéros Bazas. 438, ok, 14 Yankee India, 438, enregistré. Ok, eh ben c'est sympa, voilà comme ça, voilà, Bazas, Villa d'Ornon, Martignas, Sainte-Colombe. Bon, ben ça commence, voilà, on commence à taper un peu partout là. Oui, mais tu vas te rappeler de moi, c'est ça, tu vas envoyer une ficelle pour notre petit concours avec la méga. Ouais, il n'y a pas de problème, au contraire, ouais, bah oui, et surtout un indicatif comme le tien, il n'est pas très courant. Donc oui, affirmatif, est-ce que tu as reçu le courrier? Non, pour le moment, j'ai rien reçu, hein. Voilà, à la boîte postale, un gros président, pour le moment, j'ai rien reçu. Bah, c'est quoi cette blague? Pourtant, ça a bien été envoyé à l'adresse que tu m'as donnée, hein. Y a aucun problème, hein. Donc, je t'ai même répété l'adresse, il n'y a pas de souci, ça a bien été envoyé à cet endroit-là. Et ça, je te le confirme sans problème. Et dès le lundi suivant, Nuxa, ça a été mis au courrier, on a fait l'échange du QSL le vendredi soir ou samedi soir, je ne sais plus. Et le samedi soir, je crois. Et dès le dimanche soir, le courrier a été posté. Ok, voilà, je suis redescendu sur la fréquence. Ok, il n'y a pas de problème. Les 2351, oui, ben, si ça se trouve, le président doit attendre d'avoir suffisamment de courrier pour réexpédier. Bien souvent, les clubs, je me souviens avant, c'est ce qu'ils faisaient, quoi. Ils attendaient d'en avoir suffisamment pour envoyer ça d'un coup, quoi. En tout cas, ouais, y a pas de problème. Je te confirme bien que le courrier est bien parti. Ça, il n'y a pas de souci. Ok. Bon, et tu me dis que c'est envoyé au Pas-de-Calais. Ouais, mais bon, le Pas-de-Calais, c'est quand même pas en Australie, quoi. Hachi. Ça va pas faire le tour de la Terre avant de revenir ici, quoi. Ok, allez, bien sûr, ça, c'est pas ça, c'est la et à très bientôt. Ça marche, les mains sont 1351, toi, retour sur Eric. Ok, je salue Eric, le Bazas, les 1351, voilà, les invités. Et je pense que, oui, ils doivent quand même recevoir, on n'est pas très loin, voilà. À toi, Eric. Allez, à toi, Daniel.
J'entendais vraiment très QRP là, Daniel. Je savais pas trop à qui là il retournait le micro. Je cale là. Eric, au secours. Oui, bon, tout le monde est bien rentré à l'heure de Radio Brock. Ça s'est bien passé. Le retour, il n'y a pas de souci. Ouais, ok, ouais, voilà. Ouais, t'as raison. On va partir là-dessus parce que c'est vrai que là j'ai du mal. Hein. Oui, tout le monde est bien rentré. Sylvain, il a fait, comme le trajet lui a pas paru assez long, Hachi, il a fait un crochet par Lyon. Alors, il avait de la famille à voir par là-bas. Hein. Puis après, bon, il est remonté. Alors, comme il m'a dit, là, son trajet lui a été plus court, enfin plus court en temps, ce coup-ci, parce que justement, il n'a pas utilisé le GPS. Alors, du coup, ça a été plus rapide. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, on cherchera pas à comprendre, hein, Eric. Hein. Juste pour info, je sais pas si vous savez, mais les GPS, de temps en temps, il faut les mettre à jour. Avec les stations. Hop là, il y a un dromadaire parmi nous. Ok, enregistrer le break. Et alors le break, les 2351 à toi. Alors il y a Daniel, Senteur, 14 ODR 064, qui est en ce moment en mobile sur Martignas. Il y a Eric, 14 Yankee India 438, qui était là tout à l'heure avec nous sur Bazas. Et il y a 14 Victor Eco 27 là, qui est avec nous aussi. Et toi maintenant? Ok, ok, mais le 2351 à tout l'ensemble du groupe, voilà. Je suis actuellement sur mon lieu de pro là. Voilà, je suis actuellement sur mon lieu de pro là. Donc je vais pas pouvoir rester longtemps, je vais pouvoir rester que 45 minutes, voilà. Ben, le 2313 à Eric là que j'ai entendu un tout petit peu, puis les autres je les ai pas entendus encore. Voilà. Je viens tout juste d'arriver dans le QSO là, voilà. Je monte dans le camion pour faire une petite ronde là. Malheureusement, je suis obligé de quoi. Ok, non, mais c'est pas grave, ça. Ton petit passage nous fait plaisir. Hein. Retour, Eric, pour voir si tu entends Chameau. Je l'entends, mais alors, impossible de comprendre ce qu'il dit. Voilà. Faut-il qu'il arrête de parler avec le babyphone. Ah, j'ai entendu, j'ai entendu. Et par contre, je te remercie du bon coup de pouce là, que tu m'as donné là, parce que ton haut-parleur là, alors pas ton micro, ton haut-parleur, je dis bien ton haut-parleur, voilà, ton haut-parleur en fin de compte fonctionne à merveille, voilà, je t'entends vachement mieux avec ça que quand ça sortait directement du poste, voilà. Tu peux QSP là, Dandy. Ok, Eric, le haut-parleur que tu lui as filé, ça lui change la vie. Maintenant, il découvre un nouveau monde, le monde de la radio. Hachi. Ouais, mais t'as vu, parce que autant que ça lui sert, ouais. Maintenant, c'est ce qu'il nous reste à faire, voilà, donc, dès qu'il y aura une petite opportunité. Ah ouais, la boîte à, comment dire, la boîte à propague. Ah ben ça aidera un petit peu, ça va aider un petit peu ça. Tu m'étonnes. Ouais, je le remercie aussi pour ça quoi, c'est super sympa, super sympa. Voilà, je viens de retransmettre là, les news là, sur internet, pour dire un petit peu qui c'est qu'il y a là de notre côté.
Ouais, donc tout le monde est bien rentré. Claudie est rentrée là, dès le samedi soir après le QSO. Voilà, tout s'est bien passé. Ses freins ne se sont pas à nouveau bloqués. Hachi. J'ai aperçu la vite fait que certains là ont fait quelques courses. Il y a quelqu'un qui a acheté une alimentation. Sylvain qui a trouvé un micro Zitagi. J'ai regardé un petit peu là sur internet. Putain, il a fait une affaire. Hein. Il a trouvé du câble aussi. Il y avait quand même pas mal de petits trucs intéressants quand même à Radio Broc. Après, ouais, ben fallait négocier les prix. Voilà. Alors Pascal, j'ai aucune nouvelle en ce moment. C'est depuis samedi là qu'on a fait le tour de tout le monde là quand il a téléphoné, aucune nouvelle. Mais Eric, si tu regardes bien, tous les ans à peu près à cette même période, il disparaît. Je sais pas où il est. J'ai pas de nouvelles, j'ai aucune idée. Sur le forum, on ne le voit même plus là, dans les personnes qui se sont connectées là, durant les dernières 92 heures. Je sais pas. J'ai une petite question. Tu demanderas à la voix des ondes si elle veut lui parler toujours. Ah, on réclame la voix des ondes. Non, il n'y a pas de voix des ondes ce soir. Il n'y a pas de propag, il n'y a pas de voix des ondes. C'était le gag pour lui demander si elle veut lui parler ou pas. Ouais, t'as entendu. Ok, un peu d'humour, ça fait du bien, voilà. Ouais, mais oui, c'est vrai que l'an dernier, il avait bougé un peu, ouais. Voilà, ça y est, je lui ai rappelé. Je lui ai rappelé le coup que t'as fait samedi en disant à Pascal que non, la voix des ondes ne veut pas te parler. Alors que toi, ce que tu savais pas à ce moment-là, c'est qu'elle l'avait déjà eu au téléphone juste avant. Oui, je sais bien, mais c'était de plus du monde, c'était pour l'histoire de décoller. C'est ce qu'on me dit. Ouais, il n'y a pas de problème. Hop là, tiens, je viens de remarquer que je reprends trop vite le micro. Alors s'il y a des breaks, en avant. Tiens, ça m'arrange qu'il y ait des breaks parce que moi je rame. Bon, pas de break, je vais continuer à ramer alors. Est-ce que tu. J'ai partagé la vidéo de. F6 CDX. Est-ce que tu l'as vu là sur Facebook? Elle est pas mal cette vidéo. Oui, affirmatif. J'ai regardé la vidéo, elle est très très bien. Oui. C'est impeccable, bien détaillé et tout aussi. C'est vrai qu'on voit bien le matériel aussi, il n'y a pas de problème. Est-ce que Daniel elle est toujours derrière? À toi Daniel. Alors, je suis monté de pire. J'ai une montée de QRM de mon côté, je sais pas à qui il a parlé. Vas-y, si le chameau l'entendait. Oh putain, déjà moi qui ai du mal. Alors chameau, non, là je suis quasiment sûr que non. T'es toujours là, chameau? Ouais, c'est bon, je suis toujours là, mais je me méfie en fait, il y avait des brouilleurs là. Il y avait des brouilleurs là, de mon côté, voilà. Et du coup, ouais, ça m'étonne pas quoi. Non, ça, il l'entend pas du tout. Déjà que moi en fixe, j'ai du mal à le sortir là derrière. C'est si tu écoutes la vidéo, Eric, tu verras que là c'est vraiment pas évident. Alors lui, chameau en mobile, c'est même pas la peine. Le chauveur, qu'est-ce que je raconte? C'est pas le chauveur, c'est Daniel Santor.
Oui, Daniel Senteur, oui. Oh, je pense, parce que là, j'entends personne. J'ai une montée de QRM en plus. Ok, vas-y, chameau. Désolé, avec moi, je suis sur mon régime, sur mon duty, là. C'est pas un peu de ce soir, pantalon qui m'a fait mal, ça se colle, hein. Bon, c'est autre, j'arrête pas, là, tu vois. Avant-hier, j'ai bossé, j'avais 40 de fièvre. Enfin, 40, peut-être pas, là, je serais marseillais, mais j'avais une température phénoménale, quoi. Les jambes qui tremblaient, mal, toutes les articulations et tout ça, je me suis dit, ah, ça y est, je me suis topé la grippe, quoi. Donc, du coup, je suis resté bien couvert, hein, tout ça. J'ai fait ce que faisaient nos grands-parents, c'est-à-dire, tu prends une casserole, du vin rouge à l'intérieur, hop, tu fais chauffer le tout, une bonne couette, tu t'étouffes dans une bonne couette, là, tu transpires, et puis après, tu travailles le lendemain, tu te rentres, t'as pas beaucoup dormi, mais qu'est-ce que ça fait du bien, t'as transpiré toute la nuit, et t'es vaincu, quoi, t'es vaincu la maladie. Ah ouais, il n'y a pas un lien avec le réchauffement de la planète? C'est quoi, le réchauffement de la planète? Pourquoi ça? Non, c'est une connerie par rapport au fait que tu es trop chaud. Ah non, mais je te jure, ça marche, mais enfin, moi, à chaque fois que je fais ça, et ça marche, quoi. Voilà. Je pensais que j'avais la grippe au début, bon, je pense pas, parce que le lendemain, moi, j'étais encore un peu combattu et tout ça, un peu vaseux, mais sinon, ça va. Oui, raconte sa vie. J'ai encore un peu la crève et tout ça, mais bon, sinon, ça va mieux, ouais. Ça va, il va lourd. Ok. Bon, est-ce qu'il y a des stations qui veulent rentrer dans le QSO? Oui, en avant. Oh là là, retour Eric. Par rapport à Vaille, par là-bas, ce soir, qui veut rentrer dans le QSO? Pourtant, qu'est-ce qu'il y a comme écouteur, Hachi? Ouais, mais il y a un double QSO là, il y a un double QSO à côté là. Ouais, il y a un double QSO, c'est pour ça aussi. Ah oui, tu parles de celui qui est sur le 29 supérieur. Oui, non, mais c'est pas un problème. Oui. Il doit y en avoir des écouteurs, ouais. Mais il y a même 72 écouteurs aussi. Ok, Eric, est-ce qu'au salon, là, tu as eu l'occasion de discuter avec le radioamateur, l'américain basque, comment il se faisait appeler déjà, oh zut, ça y est, je vais pas arriver, ouais, l'américain basque. Celui qui nous présentait là en même temps là, son antenne portable la télescopique, là qui fait je sais pas combien de mètres. Hein. Ouais, c'est ok, c'est lui qui a...